sur ces, j'invite tous les fanatiques, ou bien tous les mélomanes, ou encore tous ceux qui aiment ou qui adorent la bonne musique, de souscrire un abonnement Spotify Ferregola, Deezer Ferregola, iTunes Ferregola, Tidal Ferregola. Et pour nous qui sommes ici en RDC, veuillez souscrire votre abonnement Mouska, M-U-S-K-A. Mouska, c'est en collaboration avec le réseau de communication Vodacom. Donc, veuillez souscrire votre abonnement. Sans oublier que d'ici la fin de cette année, l'artiste va encore sortir un autre single tiré toujours de son album Urbain. Okay. Et je pense que cette fois-ci, cette fois-là, on va danser. Parce que cette fois-ci, il peut toujours canon Ferregola. Et pour un concert, Yamani, en tout cas, Ferregola Sengina s'excuser auprès à bas. Fanatique Mionsoba, réservé qui table les mains, table les silagi, parce que deux au monde par rapport à grandeur à Ferregola, ça loin à Viruma, tel même ligne à nous qui est trop, voire même qui bat baladi tina couloir. Yamou Ferregola dit vraiment à s'excuser. Prochainement, pour Matisande, moi billet pour nous. Facilité si vous battez sur le concert pendant via et puis là. Quant à moi, j'ai dit bon dimanche à Costa Couleur, le véritable code Fanta Fofana, la présidente de Gauloise et Gaulois, JP Mindia, les Spiritus, Pepe Mbonoma Boko Bank, Yadadan Wabana, Bera de Prince des Amours, sans oublier Tendresse Moua la Canadienne, Natacha Tantin. 13 heures comme vous. Pour ceux qui n'étaient pas au même lingotel, bien, nous avons proposé un extrait de ce qu'a été ce spectacle de Ferregola le 10 octobre dernier. Et bien sûr, Janou Binamou va se retrouver à travers cet élément de reportage de Ferregola que nous vous proposons. De Ferregola, le même le 10 octobre dernier. Ce n'est pas tout, je reçois un artiste musicien qui vient du Congo central, Rhoda Munyanga. Oui, l'agent de communication que nous sommes, de remercier infiniment les extrémistes de la bonne musique qui ne lui ont pas lâché d'une seconde lors de ses prestations scéniques. Il est parti soucieux, conscient de vos attentes, et vous promet, dans peu de temps, vous allez danser au rythme des bilingues, papa chéri, au Kozalawa. Du coup, je souhaite un bon séjour à Kinshasa au champion Kaskasere car le poseur de Djoubou. Bon dimanche à Michel Moto Michel Lefeu. Merci infiniment à Molino Sakumbi, l'extraterrestre comme l'appelle Papa Chéri. Merci infiniment à Kamika Chamalon de l'Or Noir. Idem pour Guigui Palmi, le palmeré qui séjourne à Kinshasa. Merci à Bijou Pirate. Merci à son excellence Didier Okito. Merci à Roger Dessemes. Et pour finir, je souhaite un bon dimanche à Guy Lando, le juif noir, à Eric Ouragan, le patron de Job Security. Avec toi. C'est Merci beaucoup, mon cher Moussaka. Papa chéri. Kinshasa va vibrer au rythme de la très bonne musique et de la très belle voix de Delvis Del Sacero qui arrive pour une production le 14 novembre ici à Kinshasa. Ce sera à l'espace Binga Mon Pépé à Kitambo. Mais en attendant son arrivée, nous allons vous proposer cet hommage que Delvis Del Sacero a rendu à Gérard Madiatin, décédé il y a de cela 24 ans, à Gérard Madiatin, dont il a interprété l'une de ses chansons, Kimbanteke, et bien sûr, avec sa très belle voix, Delvis l'a fait avec brio. Delvis Del Sacero chante Gérard Madiata dans Kimbanteke pour faire plaisir à Maître Sampino Lifurama, humaniste. Et 7 ans après, Daz Mawete n'a pas démérité. Tu as répondu aux attentes au public. Le jury a été vrai, ouais. Non, pour t'avoir sacré meilleur ce jour-là. Ouais, maintenant, on a de la
public. On est nominé à MTV, on est nominé à Frima, on est nominé au Prémud. Plusieurs nominations qui représentent d'abord la République congolaise. Et quand on fait la bonne musique, on sort des clips, on fait des featuring, on prépare des concerts. Donc on est là pour faire le travail que, pour lequel j'ai été voté, parce que moi j'ai voté pour être sacré musicien produit par Bouma Musique. Et comme ça a été fait, là j'essaie juste de répondre à mes obligations. Et ton contrat au MOMG, ça continue ou bien vous... On est encore sous contrat. Encore quelques temps. Je suis encore en famille, quoi. Ah, d'accord. Ça va, ça va. Alors, on te reçoit ici parce qu'il y a ce rendez-vous de Gaz Mérite avec son public au Showbuzz. Ouais. Tu t'es produit dans beaucoup de salles, mais qu'est-ce que cette production de Showbuzz a de particulier pour toi? Le Showbuzz, c'est un peu comme une grande salle du Congo et de Kinshasa. Pour nous, musiciens urbains, nouveaux musiciens, je dirais, parce qu'on est sur la scène depuis peu longtemps par rapport à nos aînés. Cette salle-là veut dire quelque chose, et moi, c'est 24, je vais vivre un concert là-bas, et ce que je compte faire là-bas, c'est faire comprendre aux gens qu'on n'est pas que des artistes digitales, des artistes qui des sont vues. Pas seulement des vues, même des followers, en fait, c'est pas des artistes qui se limitent que sur des trucs virtuels, très bien. Mais qu'en physique, on peut aussi déplacer des foules, on peut aussi faire des salles combles, faire des sold-out, et qu'on peut vraiment faire des espoirs que nos aînés ont fait. Je veux enlever un peu cette étiquette qu'on nous colle des artistes d'Internet. Internet. Voir ça ce 24 octobre au Showbuzz. Déjà les billets se vendent et ça va très vite. J'allais même déjà pouvoir annoncer les soldats, mais maintenant parce qu'on a rajouté des places, vu que les billets se vendent très bien. Merci à ceux qui ont acheté les billets, merci à ceux qui veulent acheter les billets, et courage à ceux qui veulent venir encore, parce qu'il y a encore des billets, mais il faut vraiment faire vite, parce que le 24, c'est bientôt. Ce qu'il faudra prouver ce jour-là, c'est qu'on a une bonne musique, une bonne présence scénique, on a du potentiel, et qu'on pourra assumer la charge de la musique qu'on laisse demain après nos aînés. C'est ce que je compte faire, parce que c'est une salle. Dans notre génération, je dirais que personne n'a encore réussi à la bonder ou à la faire comme... Ça n'engage qu'à toi, Guise. Ouais, je dirais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont joué là-bas. Et c'est vrai qu'il y a des Siakoukiens qui ont joué, qui ont fait des spectacles là-bas, c'est vrai. Mais dans notre milieu de la musique, on n'est pas nombreux à avoir fait cette salle-là. Là, c'est pour le 24. Là, c'est pour le 24. Il y a un problème, Guise, tu as fait beaucoup de featuring, et ce jour-là, ton public va te réclamer ces chansons-là. Comment tu te prépares à nous jouer ce jeu-là avec Dabou, avec... Déjà, ce n'est pas mon dernier concert. Donc, ils peuvent réclamer des choses, mais déjà, ils auront la musique et les invités. Il y aura des invités, il y aura des surprises. Je ne pourrais pas tout dévoiler maintenant pour ceux qui veulent savoir qui sera au concert qui vient, pour qu'ils comprennent ce qui va se passer là-bas. Et il y a beaucoup de featuring, certes, mais c'est parce que qualité la musique peut toujours mettre tes hommes et attendre tout le monde et traverser la frontière. C'est pour donner un peu à tout le monde de quoi boire et de quoi manger. Salut, Zoua, tous ceux qui sont pas contents quand les autres sont nominés, sont élus, sont désirés, aimés. Cela est on a passé une élévation de l'anima. Parce que moi je dis ça, je le dirai même ici. Pour l'avoir, excusez-moi ce que je veux dire, mais pour l'avoir succès à la sida. Ce n'est pas si on peut la sida de l'anima. Pourquoi tu as la mentalité que ceux qui ont la succès, tu as la place, tu as la limite qui est comme ça, tu as la peur. C'est comme ça la mentalité qui nous a donné la même à la bataille. Soit tu n'as pas et tu ne veux pas que l'autre puisse en avoir, soit tu es là et tu ne veux pas que l'autre vienne poser un face spécial. Pour être beau, il ne faut pas salir les autres. Il ne faut pas insulter les autres, ne pas connaître, le nom va être dévoilé bientôt, les titres seront dévoilés bientôt. Venez au Showbuzz, on ne sait pas qui c'est. Peut-être qu'au Showbuzz, vous aurez un titre ou deux, on ne sait pas. Au Showbuzz, il faut vivre ça le 24. Le 24 octobre, à ne pas rater. À partir de quelle heure, Yves? À partir de 17h déjà. J'apprends aussi que tu seras avec Nino lors de sa production avec Kinshasa. La personne de Nino, elle est là aussi, au Char Club. Et après, qu'est-ce qui va se passer, Yves? Toujours des surprises. Il y a des surprises. Au pays, à l'intérieur, à Kinshasa, à Lubumbashi. En ce moment, je suis encore ici, le temps de finir les dates que j'ai à faire, parce qu'hier j'étais à William Booth, c'est très bien passé. Merci à tous ceux qui m'ont accueilli là-bas, merci à ce public merveilleux qui était avec moi. Et juste après le concert avec Nino, je serai à Lubumbashi. Je serai à Lubumbashi pour le 6 et le 8, j'ai des spectacles là-bas.
Et ensuite, c'est possible que j'aille jusqu'à Colomésie parce que le bureau est déjà un peu parlé avec Colomésie. Okay. Et c'est possible que Naya Puna, parce que j'aime beaucoup aussi mon pays, donc je vais aller un peu partout, je ne me limite pas qu'à Kinshasa. Partout, on m'appelle pour faire mon boulot, j'y vais et ça sera un gros plaisir pour moi d'aller jusque là-bas. Bien sûr, bien sûr, qui donne rendez-vous à son public. Nous sommes au samedi 24 octobre. Déjà ici, on a un bon public et je vous annonce, je rappelle encore qu'on sera au showbiz le 24 octobre. C'est le message fort que j'apporte aujourd'hui parce que la suite aussi est importante. Mais là, on voit la date qui est toute proche, là, c'est le 24 octobre. Donc, Boa et Bélé pour et Béba. On va écrire l'histoire de la musique congolaise encore une fois de plus. On va montrer qu'on est là pour ça. Je sais qu'il y aura beaucoup de personnes. J'en profite pour dire un grand merci au boss Abed Achour qui soutient beaucoup ce que je fais. Abed Achour, le patron de Boss, je donne un grand merci aussi au boss Ignacero qui soutient beaucoup, à Carzo, à OPS Group qui vont produire également des réunions au Shark Club, à la Ducy Event, à la Luigi Event. Je dis un gros merci à Gaëtan Luamba. Lui, fils du lion, Lyon. Junior Kiakou, Scotty Evan à Bumbashi. Donc voilà, Gaël Boussa, Trésor Vouvou. Je vous dis vraiment merci de soutenir ce que je fais. Anne Boulougé et tout le monde, soyez là au concert le 24 octobre. N'oubliez pas, Gazmate sera au rendez-vous. Je vais vous attendre et je vais concocter pour vous un spectacle assez particulier. Je me suis même fait mal à la gorge parce que je répète vraiment fort pour vous. Et là, je vais essayer de me reposer pour que les samedis, le spectacle soit top. Ça ne ratera pas. C'était un plaisir d'avoir sur ce plateau. Et je rappelle cet espace qui t'a vu naître professionnellement. Merci. Il y a 7 ans de cela. Aujourd'hui, là, tu fais tes preuves. La preuve, c'est que le jury avait fait les bons choix. Et on se retrouve donc le samedi. Le samedi 24 octobre. Du réel. Pas du virtuel. Du virtuel. On m'a solo, bah, t'as solo aussi, les mots qui m'ont souligné. On m'a solo. Voilà. Parce qu'on est mal qualifié ces derniers temps. On traite un peu trop. Et... T'as pas raison. Ouais, parce qu'ils savent que mamie, à cause de la Yémo, on a 5 comptes. On a compté 5 personnes dans le réseau. Mais la réalité, c'est qu'on a un cancer à Yémo. Ce côté, on a cancer tout le monde, parce qu'on a solo. Parce qu'ils ont fait passer le réel, le palpable. Gaze m'a été le 24 octobre aux Chauveuses. Une fonction de Galor et Nina, que nous saluons ce dimanche. Merci à toi, Gaze m'a été. Merci à toute l'équipe, merci à tous ces personnels magnifiques qui m'ont accueilli.